disent, vous devrez vous créer un compte. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la plateforme, vous devrez choisir « Sign up for free ». Vous pouvez utiliser votre compte Google ou Microsoft. Et si vous avez déjà un compte sur Quizzes, il suffit de cliquer sur « Login » pour vous identifier. Étant donné que j'ai déjà gardé en mémoire mes informations, je vais simplement cliquer sur « Se connecter ».